Coucou les filles, bienvenue donc sur ma chaîne. Asma Fares est avec moi et aujourd'hui on vous a préparé un haul de rentrée. Oui. Donc avec des vêtements pour la rentrée, donc pour nos enfants. En sachant que si vous voulez voir des vêtements plus garçons, vous allez sur la chaîne d'Asma. Parce que moi j'ai que des filles. Soit tu as des filles et des garçons. Oui, oui. Donc on a commencé sur ta chaîne et je mettrai donc le lien en barre d'information pour le début de la vidéo. Oui. Voilà. Voilà. Donc bah écoute, je te propose, toi tu as beaucoup. Donc, alors je vais te proposer de faire à la file. Donc celui-ci, c'est un petit t-shirt pour Suleiman, pareil, avec des manches longues, très léger, 1,75. Franchement, ça vaut vraiment de chez Primark. Donc voilà, ça c'est de chez Primark. Ensuite, chez Primark, les basiques, comme tout à l'heure, ce que tu avais montré donc en première partie, les basiques, les chaussettes, les collants, etc. Dans les basiques de rentrée, ça c'est un lot de 5 chaussettes à 3 euros. Franchement, ouais, elles sont super mignonnes en plus. Ouais. Ça c'est pour Balkis. Toujours, alors pour Nargis maintenant, non, Balkis, je vais terminer Balkis. Alors pour Balkis, je vais acheter un manteau. Bon, je voulais lui acheter un manteau chez Zara, sauf qu'ils n'avaient pas encore mis les doudounes chez Zara ni les manteaux. Je me suis dit, bon, je vais tester et je vais voir. Et j'ai trouvé super sympa, franchement, ça va. Hein. Et comme en fait, nous, ce qui est bien ici à Marseille, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des doudounes vraiment très rembourrées parce qu'il fait vraiment. On a un hiver vraiment doux, tu vois. On pas besoin de gants la plupart du temps, donc c'est très rare qu'il fasse vraiment très froid. C'est sympa, elle est vraiment très classe. Et j'ai trouvé, tu vois, l'année dernière, il y avait les mêmes chez Zara, les mêmes. Voilà, ouais, vraiment les mêmes. Okay. Donc celle-ci m'a coûté 17 euros, franchement, ça va. 5-6 ans pour une doudoune comme ça pour tous les jours, voilà. Après, on verra, peut-être que je prendrai un autre manteau pour changer, mais pour l'instant, voilà. Franchement, elle est jolie, hein, j'aime bien. Je fais encore un article, toi tu feras aussi donc après pour tes filles. Vas-y, donc maintenant, c'est. Je crois que. Ah oui, j'ai pris la même chose pour Nargis et Balkis, c'est encore différent, comme ça je fais les deux. J'ai pris. voilà, pas les jumelles, mais Nargis, en fait, quand elle l'a vue, elle m'a dit, oh, moi aussi je la veux, elle est super jolie. Donc pour Nargis, la voilà, donc c'est une petite tunique robe en fait, pour 9 euros. Elle en est coton, super hein. jolie ouais. en coton, jolie. Avec des petits froufrous ici sur les côtés, ça fait vraiment girly en fait. Et pour Balkis, la même ici. Et celle-ci, donc c'est du 5-6 ans, pareil, je pense. Elle est vraiment jolie, j'aime bien. Voilà, donc voilà. On va rester dans le rose. Alors, moi j'ai craqué pour ces petites robes que j'ai trouvé juste canon. Oui, elles sont vraiment belles, c'est franchement, regardez-moi ça. C'est trop mignon, je les vois dedans avec leurs petites boucles lâchées et tout ça. Franchement, et donc il y a un petit détail, voilà, une genre de broderie, et elle m'a coûté 12 euros. Il y a un truc en dessous, et t'as une doublure en dessous. Oui, hein. il y a une petite doublure, et donc ça c'est le genre de truc parfait, moi en tout cas pour Singapour. Mais surtout pour le temps de Singapour. Exactement, mais la doudoune, je suis dégoûtée, elle est vraiment belle, mais... Je peux pas porter ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, un petit accessoire, d'ailleurs c'est Asma qui a acheté ça pour les filles, que j'ai trouvé trop mignon. Voilà, franchement, non mais elles sont trop belles. Elles sont mignonnes. Et des fois, elles aiment bien avoir un petit sac, machin, je sais pas pour mettre quoi dedans, mais voilà, et ça coûte 5 euros. 5 euros, c'est bien ça. Franchement, elles sont trop mignonnes. Il y a des petites chaînettes ici à l'intérieur, comme ça. Voilà, pour faire comme maman. Bon, voilà, c'est ça. Elles sont comme ça, toi aussi. Pareil, moi, Balkis, Nargis, toujours le sac, le sac. Mais vous mettez quoi là-dedans ? Elle m'arnaque parce qu'on sort de la maison. Elle me dit, je dis, vous voulez prendre votre sac ? Ok, prenez-le. Et après, à la fin, dès qu'on est sorti, elle me le donne. Du coup, je me retrouve avec tous les sacs, mais voilà. Ok, vas-y, tu peux continuer parce que tu as beaucoup de choses. Alors, pour Nargis, donc pour la rentrée, pareil, je lui ai pris un petit jean comme ça, en taille 10-11 ans. Ça s'appelle Skinny. Ça m'a coûté 6 euros. Oh, il est pas cher. Il est bien, hein. Il est joli, elle voulait un jean un peu clair comme ça. Elle met déjà comme ça, ça m'a l'air grand hein, quand je regarde comme ça, elle met déjà... Oui, elle a des longues jambes, elle a des longues jambes, Nargis, ouais. 10-11 ans. Et j'aime pas prendre genre exactement pile poil l'âge parce que des fois, t'es pas à l'aise à l'intérieur. D'accord. Donc voilà, je préfère toujours prendre une taille un peu plus grande. Je lui ai pris celui-ci, au début elle avait pas trop aimé, puis après je lui ai dit écoute, ça peut être sympa avec des baskets, etc. Donc c'est en fait un jour de jogging en fait. Hein. Jogging avec des petites paillettes sur le côté, c'est pareil, c'est la nouvelle collection de rentrée. Et celui-ci m'a coûté 9 euros et c'est pareil du 10-11 ans. Voilà, ensuite on va faire les vite fait la petite chemise en jean, super jolie. Ah, j'ai pris la même. Ah, t'as pris la même? Bah alors on va la montrer comme ça. Oui, j'ai pris exactement la même, oui. La voici. Ah, ouais. C'est la même Non, c'est la même, je sais pas, regarde. Si, si, c'est la même. Ah oui, c'est la même. C'est la même. Donc moi je l'ai prise en 10-11 ans et elle coûte donc 8 euros. Donc c'est pour Nargis. Ça c'est pour Nargis. D'accord. Oui. Donc moi je l'ai prise en 5-6 ans. Alors que tu vois, mes filles elles ont 3 ans et demi, mais je trouvais que voilà, quand tu regardes la carrure, ça a l'air petit. C'est vrai. Ouais. Alors j'en ai pris qu'une seule. Parce que j'en ai acheté une claire, et comme je sais que le jour où je vais la mettre à sa soeur, l'autre elle va me dire elle est où ma chemise en jean, tu vois, donc je me suis dit bon, je prends une deuxième. Et franchement, voilà quoi, elle est sympa. Ouais, l'autre, je l'ai payé quasiment 20 euros hein, chez Zara. Oh, 8 euros, tu te rends compte? Franchement, c'est des fois les prix sont abusés. Oui, et le truc, c'est franchement, tu peux te permettre quand t'as un enfant encore, je pense que tu peux te permettre. Mais bon, puis dépend après les revenus de la famille, mais quand t'en as 3, 4, mais franchement, tu peux pas te permettre d'aller chez Zara, taper à chaque fois 150. Moi, je fais, c'est tout de suite double, donc 20 euros la chemise, ça fait 40 euros. Oui, oui, non, non, franchement. Tu vois, alors que là, ça fait 16 euros pour deux. Ouais.
Non, franchement, à l'époque, quand j'avais que Nargis, ça va, je me lâchais un peu, j'achetais vraiment un truc un peu cher. Mais là, avec les trois, non, je et surtout, comme surtout quand je vois que ça se tâche, que ça se déchire. Exactement. Moi, c'est, je t'ai raconté, hein, leur petite robe, là, que je leur ai mis une seule fois. Moi, je dis tout le temps à mon mari, il leur faut des vêtements à usage unique. Unique. Tu vois, tu les mets une fois et tu les jettes à la fin de la journée, tu vois. Mais, ouais, il y en a une qui prend soin et l'autre franchement elle prend moins soin et c'est vrai que c'est énervant. À la limite quand t'as payé le truc 8 euros, tu sais qui prend soin, c'est Maria, elle prend plus soin. Rania, tu vois, c'est un peu garçon donc elle tu vois, et à la limite quand t'as payé le truc 8 euros qui est une tâche, tu dis bon, c'est pas grave, tu t'énerves un tout petit peu, et là quand c'est le truc 60 euros, mais pourquoi, en plus c'est irréversible, je te jure. Allez, on continue. Alors vite fait, on va essayer de faire sa vie. Ça c'est l'ensemble, un petit ensemble pour Souleymane, super sympa, t-shirt et chemise, chemise en jean, donc regardez, deux pièces. Donc voilà, moi j'aime bien aussi acheter les petites concepts de pièces, ça revient moins cher, voilà, parce et tu peux utiliser séparément ou ensemble. Séparément aussi, donc c'est pas collé, le t-shirt n'est pas collé, tu peux l'enlever. Un petit t-shirt avec des petites étoiles, la petite chemise en jean noir ou gris clair, et ça m'a coûté l'ensemble 9 euros franchement. T'as vu, c'est mignon, hein. Pourquoi il n'y a pas de Primark à Singapour? C'est super mignon. Dans le Nord, il y en a un, il me semble qu'à Lille, ils en ont ouvert un, j'en suis quasiment sûre. Mais quand j'étais en Belgique, il y en avait un, donc j'y allais de temps en temps. Belkis, un petit jogging comme ça, gris tout simple, 5-6 ans. Voilà, donc il m'a coûté celui-ci 4 euros. Bah, alors, vite fait, parce que moi, j'en ai acheté quand même pas mal. Là, on a un petit haut, regardez, un petit genre de parka à capuche. Peu de parka, mais ouais, de petits pulls à capuche. Et tu as quand même acheté des choses chaudes. Chaudes parce que je vois loin, parce qu'elles ont encore des trucs d'hiver, d'été, tu vois, qu'elle peut porter même en septembre, octobre. Donc voilà, c'est pour ça que j'achète pour vraiment l'hiver en fait. Ça aussi c'est chaud, mais j'ai trouvé vraiment trop joli. Donc elles sont à 3 euros et je sais que je vais pas trouver là-bas, tu vois. C'est ça. Je vais pas trouver là-bas, donc ça je me dis, si jamais on voyage, je sais pas, dans un pays un peu plus frais, ben voilà, comme ça elles ont un petit bonnet. Dommage, il y avait les cache-cou là que j'aimais bien, donc mais j'en ai, il y en avait qu'un, donc je me suis dit je prends ou pas. Je me suis dit non, ça va faire des disputes. Je prends pas. Des disputes. C'est pas la peine. J'évite. Alors je continue. Il reste beaucoup. Vite fait. Un lot de basique pour Souleymane, donc c'est des cols roulés manches longues, coton, et c'est du 18 mois. Ça a coûté combien? 6 euros. Moi je les achète chez H&M. Ils sont pas à 6 euros quoi. Non, ils sont pas à 6 euros. Après, pour la qualité, c'est... encore tu vas me dire, c'est tous presque Made in China. Made in China. Là, le jogging pour Balkis, pareil, c'est du 5-6 ans et c'est à 4 ans. Pareil, alors d'autres basiques, les chaussettes, j'en ai encore pris ici. Donc ça, c'est pour Souleymane, des petites chaussettes pour le garçon. Pour Nargis, voilà, d'autres chaussettes aussi. Ça, c'est vraiment les basiques de rentrée, il est faux. Des hauts, donc ça, c'est Nargis pour la rentrée. Donc elle rentre en CM2 cette année, donc voilà, des trucs un peu plus fun, etc. Cool. Et c'est 6 euros. Voilà, 6 euros, le petit pull, franchement, il est mignon. Elle aime bien porter ça avec des jeans, des pantalons, elle. Tous les sweats. Ouais, un petit sweat pour Souleymane. C'est trop beau, celui-là aussi. J'aime bien ça, le détail là à l'intérieur. Ah oui, tu vois. C'est trop beau. Voilà, le petit truc qui va bien avec le petit détail rayé à l'intérieur. Celui-ci m'a coûté 5 euros. Voilà, c'est franchement des mini prix pour les mamans pour la rentrée. C'est pas grand chose, hein. C'est moi, top, hein. Ça va, j'ai été très raisonnable quand même. Raisonnable. Hein. Mais c'est pas ça, c'est que tu peux peut-être pas aussi tout prendre dans ta valise aussi, tu vois. Tu sais, je regarde vraiment beaucoup. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, déjà, mes filles, j'ai aussi acheté beaucoup moins que toi parce qu'elles sont en uniforme à l'école. Ah, donc, oui. Du coup. Bah, et moi, il n'y a que le samedi dimanche qu'elle s'habille. Ah bah d'accord. Oui. En dessous de l'uniforme, tu mets quoi alors? En dessous de l'uniforme, tu leur mets une culotte et un débardeur. Ah, c'est tout. Et alors, donc, elles partent en uniforme à l'école. Et alors, elles ont un deuxième uniforme qu'on met dans le sac à dos. Donc, dans le sac à dos, puisqu'elles sont douchées. Oui, oui. Et elles reviennent à la maison avec un uniforme plus simple, un genre de t-shirt. Il les douche à l'école? Ah oui, il les douche à l'école. Donc, du coup. C'est pour ça que j'achète plus beaucoup, parce que je me suis fait arnaquer l'année dernière. Oui, tu vois, il y a plein oui. de vêtements, ben c'était devenu trop petit. Ah, donc c'est aussi pour ça que j'achète plus énormément. Ah non, à l'école, là, tous les jours, tu oui, fais tout. Oui, je sais. Jours, et franchement, alors je te dis pas, hein, les machines, c'est génial, c'est parce que t'en fais plus tourner autant. C'est donc cool. Voilà. Alors j'ai craqué pour ça. Une chemise que je trouvais vraiment trop jolie. Et alors ce que j'aime bien, c'est que c'est assez léger. Donc ça, elles pourront porter avec un petit débardeur en dessous. Et alors, voilà. Ce que j'aime bien faire quand je trouve les mêmes modèles, c'est prendre deux couleurs différentes, en espérant qu'elles ne vont pas se battre parce qu'elles vont. Parce que le bleu est un peu plus foncé oui, ici, un peu foncé. Mais bon, ça se ressemble quand même. Je pense pas qu'elles vont, ouais. Tu vois. Mais j'aime bien prendre deux choses un peu différentes. Et alors, j'ai pris la mienne, voilà. La et tu vas rigoler parce qu'il n'y en avait pas chez les adultes, donc du coup, je suis partie du côté des enfants. Ouais. Et alors, ça, regardez, un peu plus grand que Nargis, oui, mais c'est bon, pas Nargis, ça c'est un genre de 36, oui, tu oui, vois, c'est quand même grand, 36, ouais. C'est du 13 ans.
13 ans, donc du coup, je l'ai prise parce pour que moi. Les 13 ans d'aujourd'hui, c'est vraiment des 13 ans, ça fait jeune femme, quoi, tu oui. vois. Ouais. D'accord. Donc, et j'aime bien prendre des fois, tu vois, des choses assorties, comme ça, quand je fais. Pour faire de jolies photos. Oui, oui, des jolies photos voilà. Ou matcher ensemble, oui. Voilà, match. Ok, à toi, tu peux terminer. J'ai bien terminé. Je vais vous passer parce qu'après, j'ai des trucs chez H&M. Pour pareil, j'ai pris des joggings pour Suleymane. Basique. Ça, c'était le duo, c'est des ensembles. Hein. Deux joggings pour 7 euros. Franchement, ils sont sympas. C'est avec des petites baskets. En plus, il a des super jolies baskets Adidas. J'ai des coques sportives, etc. Pour changer. Hop. Suleymane encore, toujours des petits hauts. Ce petit haut-là que j'ai beaucoup aimé, les basiques pour changer pour tous les jours. Il y a marqué quoi ? No bud better than a brother. Donc voilà. pas de genre, pas de super pote mieux qu'un frère, en fait. Voilà. Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Ouais, non. Et vite enchaîner pour. Je termine juste avec Primark avant que tu fasses ça. On a pris, toi aussi, tu as pris ça. Donc j'ai pris les petits vernis pour les filles, mais trop mignons, il y en a 12, 3 euros. Alors moi, c'est pas pour la rentrée, hein, c'est pour qu'elles s'amusent voilà. à la maison. Mais pareil, oui, voilà. Voilà, mais franchement, voilà, regardez. Ils sont tout mimi. Franchement, ça donne même envie d'en mettre nous-mêmes. Voilà, fait, et j'aime trop les couleurs, elles sont pastel et tout trop mignon. Je voulais en fait acheter des baskets pour Balkis. Et en fait, je me suis dit, bah écoute, pour l'instant, j'ai pas encore choisi quelle basket lui acheter. Je voulais aller chez Footlocker acheter des baskets de marque Adidas ou Nike. Pour l'instant, je me suis dit, allez, pour la rentrée, je vais prendre ça parce que j'avais pas eu le temps d'aller faire les boutiques. J'ai pris celle-ci, donc de jolies baskets blanches à scratch avec le petit détail ici argenté derrière. On dirait des petites Stan Smith, oui, je vais y arriver. Elles font 18 euros et elles sont super sympas. Et ce que je regarde tout le temps pour les chaussures, c'est la facilité à enfiler la chaussure. Parce que j'avais acheté des baskets, j'avais des baskets pour Nargis. Les pires. Une heure à tirer les montants. Les pires, c'est les Converse. Ah voilà, à mettre, à tirer. Donc là, du coup, je regarde ça, que ça me plaît. Allez, c'est bon, je prends. J'ai pris ça chez H&M. Alors, moi, je vous montre pour moi, bon, c'est pas des vêtements, mais c'est pour moi des basiques, on va dire, de rentrée, etc. Mmh. Et comme j'étais à Marseille, ben écoutez, je pouvais pas repartir de Marseille sans mon savon de Marseille, hein. Alors, de Marseille, non, mais sérieux, voilà, ça, c'est le genre de truc. Ça sent trop bon, hein. Ça c'est pour toute la famille, je sais que ça va durer longtemps et alors on peut l'utiliser pour tout. Le visage, tu vois, j'aime bien quand c'est des produits à usage unique, entre guillemets, pour tout le monde. Oui, c'est ça. Moi aussi je prends toujours des trucs qui vont voilà. Comme ça c'est moins cassette, donc du coup je vous montrerai, je vous ferai une petite photo, mais j'ai pris donc le savon de Marseille et j'ai pris aussi du savon d'Anès. Oui, au lait d'Anès. Au lait d'Anès. Ça c'est plus pour les plus grands, mais en tout cas le savon de Marseille. Ça c'est anti-acné, hein. Oui. Non, c'est pas acné. C'est pour l'eczéma. Oui, voilà, tout ce qui est peau atypique. Les peaux atypiques, voilà. Et donc c'est très bien pour les enfants et pour les plus grands. Donc c'est un petit magasin. La Vieille Charité à Marseille, pour celles qui connaissent Marseille. Et ça s'appelle le Bazar. Le Bazar de César. Et les gérants sont vraiment super sympas. Oui, vraiment très gentils. Écoute, moi j'ai terminé en tout cas avec mes vêtements. Moi, ça y est, je vais terminer avec ce que j'ai pris. Je te laisse terminer. Donc chez qui ? Chez Zara. Chez H&M. J'ai entendu H&M. H&M, non, j'ai juste deux articles chez H&M. Chez H&M, pour Nargis, j'ai pris ça. C'est une chemise longue. Comment c'est ça ? Ok. Donc voilà, la petite robe pour. La petite robe chemise en fait. Elle est jolie. Robe tunique pour Nargis avec la petite ceinture ici. Je me vois bien porter celle-ci. Ouais, elle est jolie. En taille 12-13 ans et. Elle m'a coûté donc 19,99 et je sais que voilà, c'est un truc qu'elle portera souvent. Ça, et dernier truc que j'ai acheté chez H&M pour Nargis, c'était aussi ce sweat. Elle aime beaucoup les sweats Nargis avec les petites fleurs. Il est super sympa aussi. Et ici, avec le petit décor. Il ressemble vachement à celui que tu as acheté ici. Hein. Oui, tu vois. Alors celui-ci, il a 14 et celui-ci, bon, il a la capuche, il a 6. 6 euros ici chez Primark et ici on a 14, on a 15 euros parce que c'est 14,99, 15 euros chez H&M, mais bon, elle le voulait, voilà. Et je termine, ça y est, par mes petits achats chez Zara, puis on aura terminé. Alors chez Zara, bon, moi je ne les ai pas ici, mais je vous mettrai des photos parce qu'on a fait des photos quand on est parti en Thaïlande, mais chez Zara, je n'ai pas acheté ici puisque en Thaïlande, il y avait des soldes, et donc j'ai trouvé pas mal de petites choses bien soldées, des petits leggings, des petites vestes en jeans, ce genre de choses. Oui. Mais tout ça, vous verrez sur mon Instagram puisque voilà, j'ai fait des photos, donc des coup, photos voilà. Chez Zara pour Nargis, pour terminer, en taille 10 ans celle-ci, parce qu'on avait pas trouvé plus grand. Une jolie chemise, franchement, elle a bloqué dessus. Elle mais je la veux. Ici, on a des petites étoiles en fait, des petits détails d'étoiles. Celle-ci a coûté 23,95€ quand même, mais je sais que c'est un truc qu'elle va garder longtemps parce que c'est du bon jean. Et c'est l'indémodable. C'est l'indémodable. Le jean, ça se porte tout le temps et avec n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a pris aussi, voilà, pour la rentrée, pareil, il n'y avait pas encore, comme je vous disais, les doudounes encore chez Zara de mise, donc j'ai pris un petit
gilet pour la rentrée. Voilà, donc pour les temps un peu, pour voilà, le début d'automne, on va dire. À 14,95€, il est en plein de couleurs, en bleu marine, en gris et en beige comme ceci. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus cher chez, par rapport à Primark. Moi, c'est la première fois que j'achète chez Primark. Oh là, c'est trop beau. Ouais. Mais tu vois, les tissus sont quand même... Oui, tu vois, plus bien, confortable, c'est énorme, c'est sûr que c'est de meilleure qualité. Voilà. Oui, non, c'est sûr. Elle est trop belle. Là, c'est la jolie robe de chez donc de chez Zara pour Nargis. Elle est vraiment magnifique. Elle, elle a des manches cloches comme ça, un peu genre, vous savez, c'est un peu la hippie là, avec des petites fleurs. On dirait du. Et on dirait entre le lin et le coton. Ouais. C'est un mélange de lin et de coton en taille 10 ans. Et celle-ci m'a coûté 26€. Mais pareil, pour Nargis, à la rigueur, je sais que ça durera plus, tu as plus de temps. Genre plus, elle va le porter par exemple cette année, l'année prochaine, tu vois, ça va lui aller. Après, pour les petits, il y avait pour les petites aussi. Elle est trop belle. Elle est super jolie celle-ci. J'aime trop. Et pour terminer, pareil, toujours chez Zara, ça c'était un peu moins cher, hein, et j'aimais bien le petit détail aussi en dentelle sur les épaules. Celui-ci m'a coûté juste 6€. 5,95€ chez Zara. Vous avez un article Zara. Coup de cœur. Voilà. Franchement, ouais, trop beau. Si même pour adulte, tu vois, c'est. Tu vois, pour Nargis, je vais lui acheter des trucs un peu plus chers parce que je sais qu'elle les garde plusieurs fois, plus longtemps, des années, plus longtemps. Oui, après, c'est pas comme quand ils sont petits et qu'ils se tâchent, etc. C'est ça, c'est ça. Oui. Mais voilà, voilà pour pas mal de choses. Moi, j'ai acheté pas mal de choses. Mais je sais que ça va, voilà, là je rachète plus rien, là c'est fini, tu vois, c'est... non c'est parce que j'ai avant de partir en été, j'ai dit ben, je vais leur racheter pour l'instant, avant de partir, comme ça dès que j'arrive j'ai rien à acheter, j'irai racheter ici, donc là ça y est, juste les petites baskets pour peut-être pour Nargis, pour nous aussi, parce qu'on a acheté des trucs pour nous, des mais on voulait faire rentrer enfant. Maman voilà, spécial enfant, spécial et nous enfant. On fera ça une autre fois, voilà, ok, ouais. Bah écoute, c'était sympa, hein, c'était sympa. C'est sûr, maintenant sympa, on doit tout ranger, ce brol comme ils disent les Belges, on doit tout ranger, tout ça, mais voilà, en tout cas j'espère en tout cas que ça vous aura plu. On vous aura donné des idées, voilà, d'achat, etc. Et Primark, sincèrement, c'est sympa. Quoi, non, c'est sympa, franchement. C'est vraiment sympa. Toutes les mamans achètent là-bas. Moi, je sais que voilà, les filles qui me suivent, ah, c'est super. Franchement, on aurait aimé avoir aussi un Primark à côté. Et donc, voilà. Même ma soeur, quand elle vient de Paris, comme le Primark à côté de chez elle est vraiment très loin, donc du coup, elle fait tous ses achats ici. Donc, ici. Ok, voilà. Bah, écoutez, il nous reste à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager, à liker, à, je sais pas moi, à partager avec vos copines, vos cousines, vos soeurs, vos frères, vos mères. Non, je rigole. Mais non, c'est important quand même, tu vois, quand voilà, quand on commente, quand voilà, que tu postes une vidéo et que que derrière, ben, qu'il y a des vues quand même, que les gens te suivent, et que ça permet de voir aussi si ça plaît ou si ça plaît pas. Bien sûr, plus ça t'encourage dans ton travail, franchement. Exactement. Tu te dis, bah, là, je fais pas des vidéos pour rien, quoi. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser aussi où est-ce que vous achetez les vêtements pour vos enfants, vos bons plans, ce genre de choses. Les petites astuces que vous avez, par exemple, pour pas tâcher les vêtements, ou pour pas ceci, ou comment enlever des taches sur les vêtements, tout ce qui est ça marche pas à l'autre astuces d'école ou de rentrée. Vanille, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Non. Franchement, il y a des astuces super naturelles au vinaigre, savon de Marseille. Une savon de Marseille, et ça peut ça va s'enlever les taches, c'est super bien. Voilà. Voilà, bah écoutez, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.